Comment éviter de transmettre une infection au bébé dans ses premiers jours, juste après sa naissance? Juste après sa naissance, il faudrait d'abord, avant de toucher au bébé, se laver les mains systématiquement avec de l'eau et du savon, si on n'en dispose pas d'un gel antiseptique. Pour les soins du nez, le lavage de nez avec le sérum physiologique est systématique. Et pour les yeux, un collyre antiseptique est donné dans les premiers jours de vie, à utiliser maximum une semaine. Certains ne mettent que 2 doses, mais 1 semaine de collyre antiseptique est donnée. Et ça, c'est à la maternité que ces ordonnances sont remises. Et en ce qui concerne les soins du siège, docteur, quels produits sont recommandés pour éviter les irritations, ce qu'on désigne aussi, quand on est médecin, comme un érythème fessier du nourrisson? Il faut rester le plus simple possible. Laver le siège du bébé avec de l'eau et du savon de Marseille. Éviter les lingettes qui peuvent contenir des produits qui sont irritants. Et un lait hydratant simple pour tout le corps. Et en cas d'irritation, on fait comment? En cas d'irritation, la plupart du temps, laisser le siège à l'air libre est une des mesures les plus basiques. Et en cas de persistance, peut-être consulter, parce que les raisons peuvent être liées soit à une mycose ou à une réaction allergique.